Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une dégustation de lait. En gros, quand j'étais au collège, on avait des ateliers. Soit on jouait au loup-garou, soit en fait on faisait plein d'activités. Et il y avait un moment, c'était une dégustation de lait. Et il y en avait un que j'ai bien aimé, qui est bon au naturel. Sauf que je sais pas lequel c'est. Donc on va voir si on arrive à le retrouver là-dedans. Donc en gros, on a un premier lait, c'est un lait entier. Je crois que ça va conserver au réfrigérateur après. Donc j'ai acheté du chocolat esprit après pour les voir plus facilement. Entier, ça va pour l'instant. Après, on a un lait écrémé. Il a pas de parfum. Il a l'air de sentir plus fort. Ça va encore. Après, on a un lait demi-écrémé. Après, on a un lait demi-écrémé stérilisé. Ça veut dire qu'il a été chauffé et fermé. Surtout, c'est la même chose ou pas? Pour les. J'ai pu prendre certaines bouteilles plus petites, genre 50 centilitres. Les autres, c'est 1 litre. Là, on a une demi-écrémée stérilisée. C'est le même goût. J'ai l'impression qu'ils ont tous le même goût. Je ressens pas les différences que j'ai pu ressentir plus jeune. À part peut-être avec celui-là. C'est un lait de chèvre. Est-ce que ça va être spécial? Il n'a pas l'air de sortir différent des autres. Peut-être un peu moins fort, ils sont. On va voir. Ça va, encore. Le chat. Donc, voilà. Une vidéo rapide comme l'éclair et du coup elle est terminée. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.